Bonjour Morgane, nous sommes le lundi 15 mars 2032. L'hélicoptère va venir te chercher, c'est juste pour quelques tests. N'oublie pas de mettre ta combinaison. À bientôt. Ah, au fait, ça fait plaisir que tu aies décidé de nous rejoindre. On va secouer tout ça, Morgane, comme au bon vieux temps.
Bonjour, monsieur Yu. Il paraît qu'il y a un hélico sur le toit. Ça doit être pour vous. Monsieur Yu, je vous en prie, installez-vous. Nous allons décoller. Le complexe de Transtar est tout près d'ici. La température est de 25 degrés. Le ciel est dégagé jusqu'à notre destination. Magnifique, vu d'ici. Nous sommes arrivés, monsieur Yu. Faites attention à la vitre en sortant. Bonne chance! Bonjour, docteur Yu. Je suis un opérateur scientifique Sibyl 495. Transtar possède plus d'une douzaine de centres à la pointe de la technologie partout dans le monde. Et même plus si on prend en compte l'intégralité du système Terre-Lune. D'ici peu, vous serez à bord d'une navette en direction de Talos One. Bienvenue, Morgan Yu. Vous avez rendez-vous à 9h au centre de test. Veuillez confirmer. Morgan, enfin. Hey, l'uniforme de Transtar te va plutôt bien. Et ton œil, toujours rouge? Je sais que les tests peuvent paraître peu conventionnels, mais c'est une tradition chez les Yu. Briser les conventions, c'est dans notre sang. Dès que les tests commencent, fais ce qui te vient naturellement. Ne t'en fais pas. Le docteur Bellamy va te guider pendant l'opération. Tu es entre de bonnes mains. On sera bientôt en orbite. C'est promis. Monsieur Yu, votre frère est attendu dans la salle A. Merci. Écoute, sois toi-même. On se voit après. Bonjour Morgan, je suis le docteur Bellamy. Apparemment, nous avons quelques tests à faire aujourd'hui. Ils vous paraîtront sans doute quelque peu inhabituels, mais croyez-moi, vous allez vous en sortir à merveille. Tout va bien? Formidable. Commençons. Pour ce premier test, je vais vous demander d'enlever ces boîtes du cercle rouge aussi vite que possible.
Allez-y à l'instinct. D'accord? Merveilleux. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer. Merveilleux. C'est... Tout va pour le mieux. Passons à la salle B. Très bien, Morgane. Écoutez attentivement. Cachez-vous du mieux que vous pouvez dans cette pièce. Prenez votre temps. Détendez-vous. Réfléchissez. Non, je plaisante. Vous n'avez que 9 secondes. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer. Regardez. Est-ce qu'il se cache derrière la chaise? Une activité synaptique à signaler? Aucune? Non? Bon, ce n'est rien. Désolé, passons à la suite, Morgane. Allez dans la salle C. Vous vous en sortez très bien. Bon. Nous y voilà. Pour ce test, appuyez sur le bouton bleu de l'autre côté de la pièce aussi vite que possible. Et le plus... naturellement et instinctivement possible. Faites-le sans réfléchir. Allez-y. Allez, appuyez sur le bouton rouge. Excusez-moi, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Simmons? Moi, j'ai installé ce que Tina a ramené. Vous avez bien vérifié? Le haut-parleur est activé. Je suis désolé, Morgane. Nous avons quelques problèmes avec le matériel. Rien à voir avec vous. Vous vous en sortez à merveille. Plus qu'un test. Passons à la salle D. Quelqu'un peut m'apporter du café? Ce serait bien aimable. Merci. Très bien, Morgane. Asseyez-vous à cette table, je vous prie. Excellent travail. Regardez l'écran en face de vous. Je vais vous montrer une série de questions. Choisissez la réponse qui vous paraît la plus sensée. Appuyez sur l'écran pour commencer. Bien, on dirait que vous avez pris le coup de main. Continuez. Oh, c'est du lourd. Vous vous en fichez, pas vrai? C'est presque fini. Intéressant. Bien, bien, c'est très bien. Nous en avons presque terminé. À présent, je vais afficher une image. Je veux que vous la regardiez attentivement. Dans un instant, je vais vous demander ce que... c'est ma tasse? Elle est vide. Alex. Simmons, qu'est-ce qui se passe? On a un problème. Et concernant Morgane? Il est en vie, sous sédatif. Occupez-vous de ça, j'arrive tout de suite. Entendu. Bonjour Morgane, nous sommes le lundi 15 mars 2032.
point de discussion. Mon nom de code est January. Vous ne rêvez pas. Ce qui est arrivé hier est la réalité. Si vous souhaitez savoir ce qui se passe, vous devez d'abord quitter votre appartement. Vous n'y êtes pas en sécurité. Morgan, réveille-toi. La journée est déjà bien avancée. L'hélicoptère va venir te chercher. C'est juste pour quelques tests. N'oublie pas de mettre ta combinaison. À bientôt. Ah, au fait, ça fait plaisir que tu aies décidé de nous rejoindre. On va secouer tout ça, Morgan. Comme au bon vieux temps.
attention à ce que vous touchez.
arrêtez pas.
carte à jour. Une vidéo requiert votre attention. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Attention, la direction de la station a lancé une alerte. Tout le personnel doit se diriger immédiatement vers les points de rassemblement et attendre de nouvelles instructions. Scan de la cible. Aucun matériel Typhoon détecté.
scan de la cible. Aucun matériel Typhoon détecté. Thank you.
m'obliger à tout ça. Salut Morgan. Dure journée, hein? Sûrement si je me parle à moi-même. Ta mémoire est pleine de trous, je sais. Désolé, mais c'est permanent. Première chose que tu dois savoir, tu peux faire confiance à January. C'est un opérateur, une sorte de sauvegarde de toi et moi. Et il sait tout ce que t'as oublié. Nous avons testé un nouveau genre de neuromode basé sur les Typhoons. On a calqué leurs schémas neuronaux sur les nôtres. Le problème, c'est que désinstaller un neuromode fait perdre la mémoire. Elle revient au moment de l'implémentation. C'est pour ça que tu as oublié. Il devrait y avoir une procédure entre les sessions de test pour te remettre au courant de tout. Mais quelqu'un pourrait annuler cette procédure et transformer une seule journée en toute ta vie. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Alex. La question est, pourquoi? Tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire. Je pensais avoir trouvé toutes ces foutues vidéos. Désolé, mais je ne peux pas te laisser regarder ça.
Pas tant que je ne t'aurai pas tout expliqué en personne. Pour l'instant, pense-en. Je dois y aller. Ne bouge pas d'ici, s'il te plaît. Je suis navré, Morgan. Alex nous a déconnecté des serveurs du miroir. Il va falloir improviser. Je vous suggère de fouiller l'atelier du docteur Calvino, dans les laboratoires techniques. C'est lui qui a inventé le miroir. Vous y trouverez probablement un moyen de restaurer les connexions au serveur. Pendant ce temps, je chercherai un autre moyen de vous aider. Bonne chance. Scan de la cible. Aucun matériel. Bonjour, Sally. Notre conseiller titulaire, le docteur Cole, conseille à quiconque ayant des troubles du sommeil ou éprouvant du stress et de l'anxiété de prendre rendez-vous au service traumatologie.